And now, the officials are in place and they are ready. The fighters are in the ring and they are ready. Boxing fans, are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, from the Turning Stone Resort Casino, Verona, New York, let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing white trimmed with black and gold, official weight, 158¼ pounds. He's in its corner with his trainer, John David Jackson, with a record of 29 victories, 21 wins by knockout with 5 defeats. From Brownsville, Brooklyn, New York, the reigning and defending WBC Continental America's middleweight champion, Curtis, the Cerebral Assassin Stevens. And his opponent across the ring, fighting out of the red corner with his trainer, Mark Ramsey. He's wearing black with gold letters, officially weighing in at 159 pounds. His professional record, 36 victories, 32 wins by knockout against 3 defeats. From Montreal, Quebec, Canada, the former IBF middleweight champion of the world, David Lemieux. Beaucoup de monde sur le ring pour la finale. À l'officiel d'entrée en scène. Okay. L'officiel qui est Charlie Fitch ce soir. Un Américain de 46 ans de l'État de New York. Il a officié dans des combats qu'on a vus récemment. Kovalev contre Chilamba. Carl Froch contre George Groves à Wembley en Angleterre en 2014. Austin Trout également et Miguel Cotto. Ça s'était passé en décembre 2012 à New York, évidemment aux États-Unis. Donc, et c'est lui qui est là ce soir donc pour Curtis Stevens versus David Lemieux. Il est venu en Ontario pour un combat de Steve Molitor, l'ancien champion du monde. Donc, voyage beaucoup, M. Fitch. En Russie pour le combat Kovalev-Chilamba. Je pense que le début du combat va être très déterminant. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? On a écoulé quelques secondes supplémentaires pour un enfant de protecteur local. Oh non, je pense que c'est arrivé. Il y a toujours un petit délai. Okay. Je me demandais si Steven tente de déranger le mieux encore jusqu'au moment où ça commence. Si le mieux est 2 pouces de plus grand, au niveau de la portée, c'est la même chose. Donc, ça n'aura pas d'impact. Et on voit le nombre de rounds, Steven, 168 par rapport à 142. Donc, encore là, ça s'équivaut. Oui, c'est rare que David ait le plus grand des deux pugilistes dans un combat. Effectivement, tu as raison. Oh, bon jab de Stevens en partant. Voyons quel ton on va tenter de donner au combat dès le début. J'ai pas l'impression qu'on a envie de s'étudier très longtemps. Non, je pense pas. Le mieux qu'il travaille bien avec son jab, c'est... Il faut surtout qu'il contrôle ses émotions, son crochet. Et là, oh, on se change les bombes. À la contre-attaque de Stevens. Oui, sa gauche, son crochet de gauche peut être très dangereux. Il part bien les coups de David Lemieux. Dès le départ, la garde bien haute. Stevens a l'air plus calme en ce moment. Ne trouvez pas une coupe de jab qui touche la cible. Il est conscient que Lemieux va partir canon et... Lui, il veut contre-attaquer là, avec son, surtout son crochet. Je pense qu'il a tenté déjà à plusieurs reprises. Lemieux devrait faire attention à ça. Il faut absolument que Lemieux garde ses mains hautes en tout temps parce que Stevens a la capacité, la puissance pour l'envoyer au tapis. Mais là, jusqu'à maintenant, Lemieux va bien. Il va varier ses attaques. Bonne droite de Stevens. 2 coups consécutifs qui touchent. Bon coup au corps, ici, Lemieux. Stevens qui commence à s'activer. Lui qui a été plus, concentré sur sa défensive pour la première minute. Il était prudent sur le début de round, les mains hautes, les coudes à l'intérieur. Stevens, pour le nombre de coups envoyés, un bon ratio d'efficacité à venir jusqu'à maintenant. Oh! Je pense qu'il a atteint.
solide. Ah, c'était solide! Oui. Stevens encaisse à David de se contrôler quand même. Stevens s'en met ses cartes. Oui, il reste beaucoup de temps. Il reste beaucoup de temps. Mais là, il y a du monde pour le craquer là-bas aussi. Et là, bonne chose avec son crochet. Pour se méfier. On sait c'est quoi l'intention de David Lemieux. Là. Et on sait c'est quoi l'intention de Stevens. Oui, oui. Tout juste avant. Oh, bonne gauche de Stevens. Est-ce que David l'a bien encaissé? C'est la contre-attaque. Il a laissé beaucoup d'énergie également dans ce round-là. C'est loin d'être fini. Il reste un gros 50 secondes. Je pense que David travaille au corps, ce qui est très important. Il est au corps. On s'échange les bombes. Mais là, important. Le mieux qui repousse, Stevens. David va au corps, c'est très important, je pense. Il va capitaliser là-dessus oui, sur les combats, ce tir. Oui, la défensive est bien haute de Stevens. Mais Stevens semble assez calme, somme toute. Et on peut, sincèrement, c'est une orgie de puissance dans ce premier round. Les coups, là, c'est la puissance là, incroyable des deux côtés. Oui, oui. Et je pense que ça fait 2 ans que tout le monde s'en attendait que ça serait ça. Et les deux gars, ils nous donnent ça. Oh, oh là là, quel départ canon! Oh. Et Stevens qui retraite vers les câbles. Oh! Et Lemieux travaille bien encore. Il travaille très bien encore. Quel fin round de David Lemieux! Mais Stevens encaisse le coup en contrôle. Et la mère de Stevens dit très inquiète. Oh, ça doit être des grosses palpitations pour une maman qui tente de montrer qu'elle vit bien le tout. Oh, et... Très beau travail de David. Je pense qu'il a été très intelligent quand il est dans les Stevens. Il est allé au corps quasiment exclusivement. L'inquiétude, évidemment, que Mané faut revenir. Parce que David a beaucoup appris de ses combats contre Josh Hansen et Rubio, mais c'est toujours qu'il y a assez d'énergie pour aller à la limite si jamais on doit s'y rendre. Et on voit ici le mieux avec le large crochet en arrière de l'oreille qui a fait perdre l'équilibre à Stevens. Et là, Stevens qui revenait avec son dur bonne gauche au menton. Donc, on connaît, on est en mesure d'évaluer la puissance de l'adversaire d'un côté comme de l'autre. Mais le volume de coups puissant sur la cible, c'est le mieux qu'il l'a eu. Et regarde, c'est qu'au corps, on fait mal à Stevens. C'est reparti. Mais début je pense que maintenant, on sait un peu c'est quoi la stratégie, c'est quoi les enjeux, la contre-attaque de la gauche de Stevens. Lemieux va plus en variété, plusieurs coups, les coups au corps. La contre-attaque est très dangereuse de Stevens. Encore une fois. Là, qui tente avec son crochet de la main avant, à mesure qu'il y a une ouverture. Et là, Stevens va se faire respecter parce que là, la machine Lemieux est en marche. Et Lemieux le bouscule, ne se gêne pas là, hein, pour tenter de... Lemieux qui revient avec son jab, et ça, c'est brillant. Là. Revient avec son jab, donc, tranquille, dérange. Il ne doit pas être unidimensionnel. Occupe Stevens à défensive. Bonne gauche de Stevens. C'est son arme, la gauche de Stevens. Hein? C'est pour répliquer. Oui, Stevens, là, c'est avec ça qu'il a terrassé beaucoup d'adversaires. La contre-attaque avec le crochet de la main avant. Et pour ça que le mieux doit toujours donner sa main droite au manche. Et continue ton travail au corps. On sur un 12 rounds, d'ici 6, 7, 8 rounds, ça va payer. Et là, Stevens est impressionné là, par la rapidité, le volume de coups. Ose pas là, échanger coup pour coup. Donc, le mieux est en contrôle. Quel rythme endiablé là, pour le mieux depuis le début. Oh, bonne combinaison. Oh, ça vient de Stevens ici. Je pense que le mieux doit rester vigilant sur sa défensive. Oh oui. Moi, je trouve que Stevens a passé un début de tempête avec beaucoup de calme. C'est sûr qu'il a peut-être été branlé. Là. Il ne va pas nous le dire ou nous télégraphier, mais sa garde est bien haute. Il sait dans quoi il s'est embarqué. C'est sûr qu'il sait qu'il va manger des coups durs contre le mieux. Et là, il les réplique, mais le mieux se protège bien, bloque bien les coups. C'est important pour le mieux de ne pas jouer de finesse là, à ce niveau-là. Il a affaire à un boxeur puissant. Donc, bloquer les coups, c'est la sécurité. C'est la défensive la plus sécure. Et c'est ce qu'il emploie depuis le début du combat. Et un Stevens qui attaque, c'est un Stevens qui va créer des ouvertures également pour le mieux. Quand la garde est continuellement haute, tu sais, des fois, tu peux percer la défensive, mais... Le mieux qui est allé avec un bon quelle belle série de le mieux! Je pense que le mieux doit rester le mieux et de faire exactement ce qu'il fait. Oui. Attaquer, c'est ça sa force. C'est sa meilleure défensive, c'est son attaque.
Ça, ça a ramené son autorité dans ce sens-là. Et c'est court au corps. Et c'est ceinture, là. Ça fait pas du bien. Là. Éventuellement, ça va être payant. Ça va être payant. Parce que Stevens ne travaille pas beaucoup au corps. Tôt ou tard, il va payer le prix. Bonne observation, messieurs, effectivement. Le bonne gauche. Le volume de coups sur la cible, c'est du côté de mieux. Là, on a l'air d'être parti sur un marathon, là. Il faut aller au corps de deux côtés, sinon il y en a un qui va payer. Deux rounds de compléter et il n'y a pas personne qui a envie de huer là-bas contrairement au combat précédent. Hein? Que d'émotion! Est-ce qu'il nous donne un peu qu'est-ce qu'on était venu voir? C'était tout le monde est satisfait. Avez-vous les mêmes moi? Ça se peut, on se remonte dans une soirée qui va être longue prévue, David. Okay? C'est pour ça que je veux que tu travailles à l'endroit de ton jab. Tu me regardes à longue distance. Toutes les fois que tu l'as attrapé solidement, c'est parce qu'on avait un peu d'espace entre toi et lui. La seule chose qu'il essaie de faire, c'est son cachet de gauche. Mais quand chaque fois que tu lances quelque chose, attends-toi, il lance la cachette gauche. Il a un coup de poing. T'as bien compris, Dave? Ton jab toute la soirée. Tu boxes. S'il y a une ouverture, là on fonce. Là on y va pour la big shot. Je veux que tu le boxes. Il a un peu de distance entre toi et lui, il fait absolument rien. Il reste en avant toi les mains hautes. Le mieux que bouger. Et là, le coup de Stevens, solide, sous le coude, au foie. Et le mieux, bien encaissé. Golovkin l'avait fait plier avec un coup semblable. Je pense que Marc Ramsey a très raison d'en dire le mieux de continuer à utiliser son jab et de garder ça plus stratégique. Il a l'avantage technique, ça ne devrait pas être trop d'échanges. Je pense qu'il a l'avantage quand il n'y a pas trop d'échanges. Oui, et d'utiliser son jab, d'évaluer la distance pour lui permettre d'avoir un peu de distance pour transférer son poids. En tout cas, il a bien écouté Marc Ramsey dans ce début de round, utiliser son jab. Oh, bon jab de Steven, un jab de puissance. Oh, attention, est-ce que David était branlé? Solide, là. Oui, c'est lui qui a réussi à toucher la cible à ce début. Ça a commencé avec le jab, là. Oh, est-ce que David traverse une petite tempête? On va voir. Steven qui ne veut pas s'en laisser imposer, là. Il est conscient, là. Les meilleurs coups de Stevens depuis le début du combat. Très incisif à ce début de troisième round. Justement, David doit rester vigilant au niveau de sa défensive. Oui. Il y a eu un petit relâchement un peu. Il frappe souvent les gants aussi de Stevens et il dépense énormément d'énergie dans ses attaques. Stevens qui a pris le centre du ring dans ce troisième round. Et là, le mieux qui se met en marche là, avec un coup crochet au menton. Là, le jab de Stevens, on n'avait pas senti ça dans les deux premiers rounds. Semble à l'aise là, maintenant dans ce troisième round. A placé quelques bons jabs dès le début du premier round, mais après ça, la tornade est partie. David est allé en attaque et là, ben, Stevens a dû s'ajuster, a levé la garde. Mais il n'a pas eu de misère à placer son jab quand il a essayé de le placer. Et là, le mieux! Oh! Oh! C'est fini! Il lui a fermé les lumières. Oh boy. Quelle puissance de David Lemieux. Quel droit. Un coup. Et il avait le meilleur round de Stevens. Oui, c'est le meilleur round de Stevens. Il prenait confiance. Oui. Il s'ouvrait davantage. Et regardez comment c'est long avant qu'il revienne à lui. Ça, c'est des images très inquiétantes, évidemment. C'est pas la partie qu'on préfère. Un des plus puissants de la scène internationale. On l'a chez nous, David Lemieux. Wow! Quel droit! 33e victoire par knockout en 37 victoires. Et là-dessus, les 20 premières victoires, ses 20 premiers combats, 20 victoires par knockout, un record canadien. C'est des moments inquiétants pour la mère, évidemment, la maman de Curtis Stevens. C'est inquiétant tout court là, pour tout le monde. Il respire, évidemment, vous le voyez comme nous. Non, mais je pense qu'il n'aurait pas sauvé. Non. C'est un peu plate à dire, mais regardez le spectacle que David Lemieux vient de donner sur HBO. Est-ce que HBO va vouloir le revoir, d'après vous? Ben, oui.
poser la question. Je pense que Canelo, c'est le nom qu'on veut voir contre les deux. Boum! Et c'était direct sur gauche, le menton. C'est la gauche! La gauche, le crochet transfert de poids. Gauche. Direct au menton. Wow! Mais là, j'ai envie de vous parler de poids également. Là. J'ai des flashbacks de Joey Gamache contre Arturo Gatti. Là. On disait que David Lemieux était peut-être à 180 quelques livres ce soir. Curtis Stevens. Dans le cas de ce combat, je pense que les deux gars, c'est des gars qui coupent beaucoup de poids et qui remontent. Fait que ça, ils devaient être pas mal dans le semblable. Même poids, semblable dans les deux gars. C'est deux gros. Ça devait pas être une différence si énorme. Non, ce Gamache Gatti, c'était vraiment incroyable. On s'attendait à avoir un David Lemieux à 180 livres sur le ring et un Stevens probablement à 175. Donc, c'est pas ça qui a vraiment fait la différence. Contest, the winner at 1 minute 59 seconds of round number 3 by knockout victory from Montreal, Québec, Canada, former middleweight world champion, David Lemieux.